c'est Christian, j'espère que vous allez bien, ça va super bien. Aujourd'hui on se trouve en percée sur Rotterdam. Donc comme vous avez pu voir dans le titre de vidéo, on va tout simplement tester le M1897, donc qui était disponible déjà sur PF1 sous le nom du M97 si je vous dis pas de bêtises. Je vais jouer donc sans viseur jusqu'à la mire métallique de base. Et en spécialisation, hop, excusez-moi, faut aller par là plutôt. C'est un peu chiant de devoir revenir à chaque fois, enfin, je puisse pas tout faire sur le même endroit. Spécialisation, je me suis mis donc rechargement rapide parce que la visée rapide c'est pas, enfin, je vais pas vraiment en avoir besoin, sachant que je joue donc beaucoup de tirs au jugé avec les pompes. Charge lourde car j'ai beaucoup de mal avec les balles pour le moment, donc je préfère jouer voilà, avec du plomb, que ça gagne peut-être 2 mètres en plus. Et après je vais peut-être tir perçant, parce que balle solide, ouais, ça m'intéresse pas tant que ça. Et après on verra peut-être baïonnette ou cachette ajustée, on verra bien. Pourquoi j'ai pris le pompe, c'est pour pouvoir rusher sur le côté gauche, comme vient de faire mon collègue. Me rabattre sur l'ennemi assez rapidement, comme ça va être le cas d'ici peu. Ça se tente. Ah, ça se tente, ça se tentait, il m'a vu. Avec la petite musique qui motive. Malade le char. Je te spawn là-dessus. Et enfin, ce que je pensais, c'est que ça allait se pointer par là. C'est bon. Cet escalier là. Non, putain. Putain. Quel abruti. Descends, vite. Putain, je voulais tenter de faire péter. Oula, il aurait paniqué, il s'est fait un petit peu dans la gueule. Alors clairement voilà, la strat des pompes ça change pas vraiment sur tous les BF, c'est pratiquement pareil, c'est clairement tu tires qu'au jugé et très souvent tu te tires assez bien. Après j'ai remarqué que voilà, par rapport au M97 qu'on avait sur BF1, la portée est vraiment... Putain, couche-toi. La portée est vraiment plus faible. Ouais, beaucoup de chance. Putain, il y a toujours des... Mais tuez-les, ils sont dans les ruelles, sur les côtés, les gars. Tu vois là j'appuie sur passer l'animation, bah j'ai l'impression que c'est aussi lent ou voire plus lent. Toute l'impatience qui fait ça. Je sais pas ce que c'est le coup, c'est à travers le mur, c'est ça. Il se met bien, monte. Il va mourir pas longtemps ce qui se fait rusher, je crois. Mets-toi couvert mon pote, je vais arriver pour t'aider. Reste safe, voilà. Je vais pas te chercher. Allez vite, reviens sur mon point. Je fais un spawn pour le copain. Ce
quoi la strat? C'est de faire un grand bac? Pas l'intérêt. Ouais, pourquoi je vois pas l'intérêt? Je suis mort, ne panique pas mon pote. 6-4, ok. Allez, allez, on a que 5 balles, hein, Glum 97, ce qui est, on va dire, un peu dommage. Une balle en plus, ça pourrait faire, je pense, un peu plus de différence sur certains points. De toute façon, on va te prendre une balle. Incroyable! Et qu'il a rien, même pas un trauma sonore, je viens de lui éclater les tympans, tu sais. Ah, ça y est, c'est pas trop tôt. Là, ça va, là, ça va un peu se corser, tu vois. Encore du monde à l'étage, on va essayer d'y aller les chercher. C'est bien que j'avais vu un mec. Ok. Sortir de là, là-haut. Hein. Ah putain, foiré, je l'avais entendu au dernier moment. Couteau de poche britannique, bah tu veux couteau 6, là, foiré. On descend, on descend, on descend. Vite, 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 vite. Putain, j'ai ramassé. Ah, l'étage, putain, il est immense ce bâtiment. La petite musique qui rend bien là. Allez, viens me chercher mon pote dans l'eau. Merci les copains. Mec, VGO, VGO. Pff, on va aller venir chercher, t'inquiète pas. T'inquiète pas mon pote, on va venir chercher.
Incroyable. Incroyable. Bon. Allez, on passe les raises. Tenter de passer par le petit raccourci, c'est une petite red zone. Des fois ça passe, des fois ça passe pas, autant essayer. On y croit, on y croit, on y croit. Désertez pas, soldat. Oui. C'est pas fini, hein, parce que là c'est pas le plus dur, au contraire c'est plus simple. La mine est posée, faut qu'il avance un tout petit peu dans le ripette. Véhicule touché. Ah oui, c'est vrai que c'est un véhicule un peu particulier. Ouais, ça y est, ils l'ont pété. Ouais, il faut y aller au pont. Gang bang un peu partout. Je sais pas où ils sont, je connais pas encore assez bien la map. Ok, reste un point. Essayez de souffrir la victoire. Faut percer en fait, faut pousser dans tous les sens. Attention, je vais crever. Je suis bloqué dans tous les cas, donc autant essayer de me relever. J'ai ça deux doigts, un pôle de cul. Allez, on passe. Ça fait penser un peu à Grand Bazar, je sais pas si vous vous souvenez. En fait de tous les côtés, faut vraiment les malmener et les briser leur défense. On cap d'en bas des quais, c'est plus simple de cap par là, je me sens. Les escalades sont bon. Lui il joue bien, enfin il campe bien à l'intérieur en fait. Pas sûr que ça passe. Je pense pas que ça va passer clairement. Yeah.
Je pense pas qu'on va réussir à passer. Hein. Putain. Zéro couverture. Ah, ça fait chier, zéro couverture, clairement. Ça aurait été cool de gagner, mais bon. C'est une grosse blague. Qui doit être... Ah, attends, tu bouges, tu bouges pas. Je vais mourir. Putain, gros psycho de la vie, là, derrière son mur, qu'on attend. Putain. Bon. Non, mais d'ailleurs... Non, c'est pas... Putain. Je vais le chercher, je vais aller le chercher. Arrête de rentrer, arrête de se faire allumer. Dès qu'on rentre, on se prend une balle. Il y a un mec qui doit coucher avec les pipiers, rien d'attendre. Faut qu'ils arrêtent de rentrer comme ils font là. Écoutez, 20 à 17, bon, il y a eu beaucoup de morts, beaucoup de morts où j'ai fait vraiment le bidon, j'ai rushé. Je pense que ouais, on peut plus s'orienter sur du 20-15 à peu près. En tout cas. Le ratio reste positif, peu importe l'issue de la bataille. C'est donc pour revenir à l'arme, c'est une arme qui se prête vraiment qu'au corps à corps. Après, version balle, j'ai pas encore essayé. Je pense que la version balle peut être quand même pas mal à essayer à jouer sur les versions, enfin sur les cartes longues, qui peut être donc Amata, qui peut être Aérodrome. Enfin, des maps comme ça, ça peut être vraiment super cool à jouer. Après, comme vous allez pouvoir, voilà, en close combat, enfin en combat corps à corps, le pompe, enfin ce pompe-là est quand même très puissant, enfin très puissant à en tir jugé. Il one tap, on va dire. 3 fois sur 4 il va one tap un mec qui est vraiment important, et ça qui fait que c'est un très bon pompe. Du coup, bah, gros coup de cœur pour moi, je pense que je vais le monter, je vais facilement le monter cette arme, et puis j'essaie de faire une vidéo avec les meilleures, enfin, les meilleures spécialités, donc une fois avec les balles, une fois avec la géomotine pour différencier, pour voir ce que ça donne, laquelle est la mieux. Attends, je vous invite à mettre un petit like si la vidéo vous a plu, à vous abonner si c'est pas déjà fait, à laisser un commentaire. Je vous invite si vous voulez, donc on va dire financer, enfin... Oui, financer en fait la vidéo, enfin me rémunérer on va dire pour ça. Vous avez donc un lien Utip qui est dans la description. Alors je ne demande pas de dons, je ne demande pas que ce soit obligatoire non plus. Vous pouvez faire soit un don donc de votre propre poche, ce que je ne souhaite pas, justement ça me gêne, mais vous pouvez sinon regarder une pub de 30 secondes et là je gagne 5 centimes. Voilà. Vous pouvez le faire 3 fois, je gagne 15 centimes, ça mange pas de pain, c'est une façon de me féliciter en fait le travail que je fais et de m'aider en fait pour par la suite, de m'aider par la suite pour investir dans des nouveaux jeux, du nouveau matériel, enfin voilà. Vous avez compris. Et je vous dis donc à très bientôt, portez-vous bien, salut tout le monde.